On va lancer tranquillement le jeu. Hop. Voilà. Un petit décalage, hein, toujours, ça ne change pas. Bienvenue en tout cas pour la VOD, hein, épisode 52. à l'heure où je tourne, évidemment, l'épisode 27 a été mis dans la journée. Autant vous dire qu'il y a du délai. On avait Kazel, évidemment. Il y a une cinématique avec Mipha et son frangin, forcément, ça sera intéressant. Oh, la best waifu, évidemment, ça ne change pas. Eh ben écoute, on verra tout ça. En attendant, là, on est reparti au relais des piafs. Parce que là, il va falloir avancer. Il nous faut des sanctuaires. Et on va prendre un peu de hauteur pour commencer. Vous avez vu, on a 53 sanctuaires. Et il nous en faut... Ah, il nous en faut peut-être plus, là. Il nous en faut 3 sanctuaires. Bon, on va faire 3 sanctuaires. Hop, je m'étire un peu le cou, là. Ah, parce que j'ai cervical un peu rouillé, là, ce soir. Mais ça va aller. Ok. On se pose. Là, je me dis que par là, il y a peut-être quelque chose. Et vous savez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller par là. Ah, faut aller là, de toute façon. Bon, on se téléporte. Et on va commencer par aller voir... Alors, j'ai envie de prendre un peu de hauteur et essayer de trouver trois sanctuaires. Là, faut qu'on en trouve trois au pif. On va galérer dessus, je pense, un peu. Donc, voilà, on va essayer d'en trouver de loin. Et après, on va tranquillement avancer, quoi. En tout cas, voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Zelda. Hein. Ça fait depuis dimanche dernier. Et mine de rien, ça commence à faire. Et il fait frisquet ici. Mais on a déjà la tenue, mais c'est magnifique. Bon, je pense qu'on va pouvoir monter par ici. Hop! Allez, on est parti. Oh, ça fait trop du bien de reprendre un peu Zelda là. Ah, c'est le centre d'entraînement. C'est là qu'il faut aller aussi pour la quête. Ouais, mais nous, ce qu'on veut, c'est juste sanctuaire là. De l'endurance avant de refaire vraiment la quête. La sainte endurance, exactement, Azel. Oh là là, magnifique. Content que les émotes servent en tout cas. Mais ouais, on espère qu'on va trouver. On va trouver des choses intéressantes. On l'espère. On va parler des choses intéressantes, j'en suis sûr. Le radar à sanctuaire sera là pour nous guider de toute manière. Je pense que ce sera plus par là si y a un sanctuaire. Mais quoi là? Ah voilà, c'est ça qu'on veut. Ah, je vais y arriver. La Sainte Endurance, évidemment, qui va nous aider. Where is possible. Y aurait-il quelque chose par ici? Que j'aurais omis? J'ai vu juste quel flair. Alors presque, hein. Ça sent le sanctuaire, mais je pense que là, on a de quoi. Hop, nickel. En tout cas, on commence à avoir beaucoup d'endurance. Je sais pas si c'était là la dernière session, il me semble pas. Mais il y a des choses. Ah, oh là, j'ai le flair. Non, on va économiser les balles. Là, si on peut économiser, on économise. Hein. Ah, c'est même pas... Bon. On n'a pas un petit marteau, un truc là? Ah, on a ça. Petite topaze, let's go. Ok, c'est plus par là. Déjà, on va prendre des petits trucs ici, là. Ah non, attendez. Ça, elle est neuve, alors que celle-là, non. La plus grosse faiblesse. Oh, le bouclier là, je pense qu'on peut jeter le bouclier Gerudo là. Il est beau, mais il sert pas à grand chose. Ah non, mais attendez, il y a ça. Ok. Ensuite, c'est ma session où Emilio a plagié Seven. C'est possible.
Serait-ce là? Ah ouais! À l'ancienne! Mais comment fait-on? Non mais frérot, c'est bon, j'ai compris. Hop là! Bon, t'es mal à taille du rat, mais en même temps. Bon, par contre, comment on fait pour aller à ce sanctuaire? Rien par là, doit y avoir. Ça doit être par là, ça doit jouer. On a le flair. On peut vraiment pas passer là? Ou alors il faut vraiment être tout nu. Ce que je comprendrais, mais. Enfin, avouez que c'est chelou. Ah ouais, ok. Wow. Je me dis qu'il faut peut-être aller genre poser une petite bombe là, quoi. Non, même pas. Bon, avouons que c'est bizarre. Il n'y a aucune autre entrée. Je pense qu'il y en a une, mais. Peut-être qu'il faut se mettre nu. Oh, attendez. Retirer. Ça, on peut le garder, mais ça, on le retire. Et on a une torche. On n'a pas de torche, mais on a ça. Genre si on enlève tout. Tout le reste, genre. Je tente, hein. Il n'y a pas de petites économies, s'il y a d'autres. Si tu trouves pas d'ouverture ou tes pouvoirs ne servent pas, c'est peut-être relié à une quête. Mais j'en doute. Ouah, c'est très explicite là, je pense qu'il y a un truc. Allez, et même combien même on n'aurait genre pas l'épée. Je veux passer. Non, bah c'est mort. Hop. Et bah on va remettre ça. Enfin non, on va garder ça, mais. On va remettre notre équipement, écoutez, mais. J'avoue que c'est bizarre. Je pense qu'on peut mettre des flèches de feu, peut-être que. Ah, je sais pas. En tout cas, on ne lâchera rien. Il y a même un point à côté là. Mais je pense qu'il y a moyen que la neige fasse des choses. Genre là, si je mets, genre. Si je me mets là, admettons. Et que je décide de jeter cette magnifique épée en feu. Ça ne fait rien. Y a quoi au-dessus? C'est de la pierre. Là, il y a deux cailloux. Ce serait plus visible, on est d'accord. Et de l'autre côté, par là, y a rien. Bon, le mec taré un peu.
Bah écoutez. Très bonne question, hein. Ça fait pas mal de nage. Et moi, ça me paraît bizarre qu'il y ait un. Ah, peut-être. Peut-être, Hazel. Peut-être que la cryonise va permettre des choses. On va voir ça. Ok, mon enceinte Bluetooth qui se décide à faire des choses, mais. Alors, déjà, de ce côté-là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Peut-être d'en dessous, on peut voir. Pour apercevoir quelque chose. Ah, c'est frustrant! C'est vraiment. Ils nous ont mis ça pour. J'ai envie de casser le jeu, mais en même temps. C'est pas trop le but, quoi. Peut-être qu'il y a besoin de quelque chose de ce côté-là, mais je pense pas. Mais on va aller voir le Coenis en haut. Je pense qu'il y a peut-être moyen que ce soit ça. J'ai pas de torche parce que je. Comme j'ai l'épée. On va prendre l'épée, hein, on va taper comme des bourrins. On teste, hein. Je pense pas que ça serve à grand chose. Malheureusement. Il y a tellement moyen de clip à travers la crevasse. Ah, mais c'est chaud. Oh là, ça c'est de la bonne viande, ça. Attendez, excusez-moi. Hop! Oh, c'est pas de la si bonne viande que ça. Je suis un peu deg. Qu'y a-t-il par là? Rien non plus. Oh là là! Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, faire attention, j'ai pas beaucoup de. Oula! Ah oui, c'est. T'es bien caché. Bon, ça vaut pas trop le coup. Bon, je pense qu'on a quand même une meilleure vue d'ensemble d'ici. On va faire la technique des glaçons. Truc à détruire en haut à la monde. Tu parlais de. De quoi parles-tu, Hazel, de ce que je viens de faire ou. Eh ben écoutez. Ça, le truc où il y avait un coffre. Ah ouais. Attendez, ne me dites pas que c'est ça depuis tout à l'heure et que je l'ai pas fait. Parce que j'aurai un peu le seum. Je crois que j'ai déjà fait, mais je suis pas sûr.
Ça paraît être vraiment une grosse ouverture, quoi. Le Korog. Bon, il me faut un peu le seum, mais tranquille, c'est le Korog. Bon, je vous propose d'aller encore plus haut, on sait jamais. Puis après, on ira sur la rive d'en face, peut-être qu'on va avoir une meilleure réponse. En tout cas, c'est beau. C'est des aurores boréales, juré. Attendez, miniature, miniature. Le moment miniature. C'est peut-être plus explicite comme ça. On est bien là. Là, on a un truc. Mais ouais, terrible désillusion. Et si je débloque tous les... Parce que peut-être que ça va jouer. Non, ça je peux économiser. On économise les flèches maintenant. Salut Darkliner, comment vas-tu? Nous on est en train de... galérer à... Avec notre histoire de... temple là. Il y a un temple à aller chercher si t'as des idées. Entre deux rochers là, je sais pas si tu l'as déjà fait. Wow wow, Michel. Michel. Il était temps. Bon, en tout cas là, ça fait des sortes de piliers. J'ai l'impression qu'il en manque encore un peu. Je crois que c'était tout, hein. Hop, on reprend un peu de hauteur. Ah non, j'en suis que à deux donjons. Même pas la moitié de la map. Ah ouais. Parce que là, tu vois, on en a un donjon ici, mais on sait pas trop comment faire pour le... pour l'avoir. Du coup, on se posait la question, justement. Mais t'es sur quelle partie de la map toi? T'es en haut ou en bas? Dis-nous tu. Attendez, c'est quoi ça les doubles torches là-haut? Oh bordel. Oh c'est là. Ne me dites pas que je l'ai pas vu. Oh là là, j'ai trouvé. Let's go! It's here. Wow. Je crois qu'il y a un coffre là-dedans. Ok, non. Pourtant, il y a... Juré ! Une grotte dans Zelda Breath of the Wild. Exceptionnel. Juré! Il y a une grotte dans Zelda Breath of the Wild. Mais c'est exceptionnel. Justement, je reprochais au jeu, j'avais dit dans... j'ai quelques sessions, que c'était dommage qu'il n'y ait pas genre d'éléments genre comme des grottes ou des trucs comme ça. Et là, je me fais manger mes morts. Je dois manger mes morts, là, c'est ça. Bon, là, je les ai un peu... Ok, petit gloup qui nous attend au calme, tranquillement. Mais pourquoi pas. Bon bah c'était cool. Et genre on peut repartir de ce côté-là, c'est ça? Mais pas d'un côté, mais pas de l'autre. Quoi qu'il arrive, on va déverrouiller le sanctuaire. En tout cas, voilà, on est bon. Mais en tout cas, t'as fait quelle partie, toi, Dark Nord, de la map? Si t'as fait la moitié de la map, nous on est parti sur vraiment la moitié de la map, quoi. Est-ce bien raisonnable? Bon, c'est mort, on n'aura peut-être pas très bon. En plus, j'ai fait une indigestion cette nuit, longue histoire, mais... en mangeant des bonbons, hein. C'était vraiment quelque chose d'assez bresson. Mais non.
Je crois que manger six mars n'est pas très bon. On fait une. C'est vraiment pour nice, quoi, comme diraient certains. En tout cas, nous sommes Tipar. Toi qui es maîtresse sanctuaire, Kamarahi, te mets à l'épreuve au nom de la déesse Ilia, évidemment. Tu fais créature divine, eau et feu. Ah, éléphant et salamandre. Nous, justement, on va faire le piaf là, qui est ici. Ici, hein. Non, qui est pas du tout ici, mais alors là. Qui est là. En fait, c'est pas si loin. Qui est ici. On va faire ça, notre troisième créature divine. Et du coup, il y aura sera la salamandre qui est par ici. Mais là, on a besoin de quelques sanctuaires malgré tout, parce que. Parce que voilà, on a envie de sanctuaire quand même un petit peu. Et là, je crois que c'est une zone où on ne peut pas accéder. Je suis sûr qu'il y a des trucs sympas par là. Oh putain, mais je crois qu'il y a masse de trucs par là. Faut voir tout ça là. Bref. On va retourner à la tour tout à l'heure parce que je suis sûr qu'il y a des choses à voir. Préparation psychologique. Bon, j'ai bien compris qu'il fallait aller avoir ça. Ok. J'ai l'impression que je vais tricher dans ce sanctuaire. Mais c'est vraiment qu'une impression, je crois. Ok, bonne ambiance. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est sympa là. Je me sens bien accueilli. Quel enfer. Je me sens vraiment bien accueilli, quoi. Allez! C'est la première. Bon, en tout cas, GG, t'as fait salamandre et l'éléphant. Nous, on est vraiment parti sur chameau pour la première. Ensuite, on a fait l'éléphant, donc oh. Et là, on vient de faire. On va faire le piaf aujourd'hui. Oh non. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me complique la vie? Oh. Merci pour le GG en tout cas. On voit qu'on est toujours aussi bien soutenu. Non, 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 non. Oula, oula, oula. Un peu des gouttes de sueur là. Bon, là, c'est bon. Ah, ok! Bonne ambiance. Ah, bien sûr, bonne ambiance. Et la bonne ambiance. Let's go! Ah, oh, j'aurais pu leur faire des petits. En plus, je me suis même pas regen, vraiment, c'est un peu honteux, mais écoutez, tranquille. Tranquillement. On va tranquillement continuer. Je sais plutôt combien j'ai de vis maintenant de. 30, 23, 42. Ok, pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Bon. J'ai bien l'impression que tout va jouer là sur le. Sur la cryogénie. Wow! C'est pas mal. Alors, soit c'est pas mal, soit ça m'inquiète pour la suite. Mais. Quoi qu'il en soit. Sacré donjon, j'ai l'impression ici. Hein. On va avoir un gardien, vous savez. Je sais pas trop ce qu'il va falloir faire, mais. Pourquoi j'ai peur? Oh, bordel! Oh, j'ai regardé vraiment en arrière en me disant que j'allais être pris à revers en arrière. Oh, quel enfer. Oh là là, je me suis tellement fait avoir. Mais c'est vénère, hein. J'ai vraiment pas regardé en face de moi, alors que j'aurais dû. Bon, y'a rien, quoi. Ok, y'a fait rien. Donc j'aurais pu prendre, je m'en rends compte. Des bombes, mais tranquille. Bon, bah écoutez, petite surprise, quoi. Mais il est sympa, ce. C'est trop chaud. Ok. J'aime. Et là, je peux genre venir comme ça, là? Ah, oh, j'ai envie de. Hein?
Vous m'avez compris. Oh, on va peut-être pouvoir passer par-dessus. Qui sait? Ou alors peut-être... Ah mais non, mais attendez, oh là là, mais on va prendre ça, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi je me complique la vie, moi, des fois? Je me complique la vie. Clairement. Un petit diamant brut, ça régale, évidemment. Oh là là. Terrible histoire. Ça en fait des coffres. Ils sont sympas malgré tout. On va aller chercher des fées aussi, hein, bientôt. Petit cœur antique, ça régale. On en a combien des cœurs antiques? 6, pas mal. Bon, quoi qu'il arrive, là, je fuis. Bon, quoi qu'il arrive, j'y vais. Oh bah forcément. Bon, j'ai pas trop compris comment j'ai dû faire ou quoi, mais... Bref. Hein, on y va. Let's go. Let's go, let's go. Bah dis donc, wow, il était relevé celui-là. Hein. Ils m'ont pas ménagé. Un pas de plus vers, évidemment, une extension de la Sainte Endurance. On n'oublie pas. Oui, au fait, Dark Lunar, je sais pas si t'as vu, mais on a deux nouvelles émotes. Une émote Maskas, évidemment, pour le Maskas Gang Gang, qui est notre ennemi juré, évidemment. Hein. C'est dans le lore, sur Mario Kart. D'ailleurs, qui sera de retour en grande pompe lundi prochain. Et nous avons la Sainte Endurance, que Hazel a utilisée là à l'instant, et qui nous permet de prier pour notre chapelle. Allez, parlez de temps. Eh oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a un lore qui se crée autour de cette chaîne. T'as 77 noix Kourougou, c'est énorme. Oh là là. On a tellement avancé alors que c'est la 13e session. C'est la session maladite. Et donc normalement ces emotes tu peux les utiliser, hein, Darklina. Vu que tu as un abonnement, tu peux aisément les utiliser. Bon, en tout cas elle est stylée, la crotte là, la petite crotte. Ça fait du bien. Ça change un peu du monde très horizontal qu'on a. Dites-moi que c'est genre on peut passer là. Ouais non, forcément on doit renager et tout. Mais c'est cool. C'est vraiment une vibe que j'aime bien. C'est un peu des anciens Zelda, de certains Zelda, je pense, où on est des grottes. Et oui. Si vous avez des idées d'émotes, évidemment, n'hésitez pas. Je peux encore en faire 3. Donc, si jamais. Toilet Princess, ouais, il y a cette vibe-là aussi. Mais en tout cas. Hop là. Ah, ici. Ah, il neige, ouais, je me disais, mais c'est bizarre là quand même. Qu'est-ce que ceci? Bon, bah en tout cas, c'était. J'aurais dû juste marcher un peu plus, quoi. Enfin bon. Y a-t-il pas quelque chose qui m'attend quelque part? Peut-être une tour maintenant? Ah, téléportation. Ouais, j'aurais pu me téléporter, mais... Oh, une truffe max ici? Trop marrant. Il est où le guet-apens, là? Bah écoutez, je pense qu'on va le laisser tranquille en vrai. Moi j'ai juste envie d'avoir des petits sanctuaires et tout. On viendra évidemment les voir plus tard. Ah ok, TP c'était pour téléportation. Pardon, j'ai pensé que c'était pour
pour autre chose. Eh bien, pas de sanctuaire à l'horizon. Mais ce n'est point grave. On va aller au plus haut pour essayer de voir bah, si on a une tour et puis des petits sanctuaires, quoi. Avant de faire le piaf. De faire le petit piaf. Oh là là. Ah ouais, tout que ça? Ok, j'aime ça. Ok. On a encore eu de la chance. Allez, venez. J'ai la flemme. On va aller toujours plus haut. Oh là là, cette endurance, en tout cas, qui fait plaisir. Au fait, tu ne voulais pas faire le labyrinthe à la session précédente. C'est vrai! C'est vrai. Bon, là, on voit plus rien, donc on va redescendre un peu quand même. Quoique, en vrai, j'ai envie d'aller quand même en haut. Donc, ah, écoutez, je suis partagé. Je suis partagé dans ma life. Voilà, je vois le beau ciel bleu là, se distinguer. Magnifique. Magnifique. Ok. Moi, je veux aller au plus haut. Je suis sûr qu'il y a un truc tout en haut là. Sauf qu'il y a un mob qui m'attend, ça va être terrible. Mais on va faire le... Ah, on pourrait faire le labyrinthe aussi. C'est vrai. On va voir ça. Qui va m'embêter là? Les loups là? Vraiment? Là là. Oh mais c'est magnifique là! On va avoir un truc magnifique, j'ai l'impression là-haut. Elle... Oh là là, mais quel plaisir ce plan! Vous connaissez la définition de l'effet papillon? C'est ça. Enfin bref. Bon, moi je veux la tour là. Elle est où? Moi je veux bien la tour, mais je sais pas où elle est. En tout cas, c'est très beau. J'ai envie d'aller par là. Je sais pas pourquoi. Parce que là, on était où? Ah ouais, le territoire est immense, ça sert à rien. Par contre, si on va par là, je suis sûr qu'on peut trouver un petit sanctuaire. Instant miniature? Ouais, je pense qu'on l'a capté, hein. La miniature, on l'a capté. Enfin, j'espère. Par là, peut-être? Y a rien? Pas de sanctuaire. Mais écoutez, s'il n'y a pas de sanctuaire... Et de ce côté-là, ça doit être le grand vide abyssal, du coup. C'est pas le l'ambiance, du coup? Non, tu vas pas me piquer mon buffet là. Il va pas me piquer mon buffet celui-là là. Non mais oh. T'as pas, je te laisse pas le temps, Michel. Je te laisse pas le temps parce que j'ai envie d'avoir ma viande. Finition divine, vénézo... Fine, c'est parfait. Ouais, je dis vague, je dis vague. Putain, c'est rentable ça comme. On a pas mal de choses alors qu'ils prennent qu'une flèche. C'est magnifique. Allez hop, on n'a pas le temps. Hop, et là on est reparti. Ok.
Ok, j'en ai géopti. Sinon, elle va geler. Ah, c'est vrai. Bon, là, on a eu de la chance, là. Bon, là, c'est le vide sans fin, je crois. On est vraiment au bord du précipice, j'ai l'impression. Mais écoutez, on va revenir plus par là, du coup. Je trouve qu'il y a des trucs intéressants par là.